suis désolé d'utiliser le terme, mais enfin, j'essaye de peser mes mots pour ne pas être virulent ou pour ne pas être, être désagréable. Mais il est quand même plus que temps qu'on se pose la question d'un modèle global sur du long terme. C'est un modèle qui n'est pas possible à partir du moment où on vit dans un monde où les richesses sont limitées. Aussi bien au niveau du pétrole qu'au niveau des métaux lourds, qu'au niveau de toute une série de choses, on est en train de puiser dans des réserves que la planète a mis 4,5 milliards d'années à créer, alors que, regardez la nature autour de nous, la monoculture est impossible. La nature ne fait pas de monoculture, sinon c'est le désert. Léon ? Et donc j'ai commencé par travailler pour l'industrie pétrochimique et pharmaceutique. Et puis j'ai eu un déclic à un moment donné. Je me suis dit, il faut réaligner son activité sur ses valeurs. Je ne m'y connais pas vraiment. Parce que, en fait, je lui ai demandé il y a quelques jours, il m'avait donné une définition. Mais c'est trop long. Je comprends, non, mais c'est même pas que c'est trop long, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as dit, tiens, oui, il a essayé de m'expliquer, mais j'ai rien compris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, chef? La définition. La définition, tu veux que je la refasse? Bah ouais, mais je comprendrais même pas quand tu me le dis. Donc, genre avec des mots simples, quoi. La permaculture, c'est d'abord et avant tout un art et une science. La science, c'est pour tout ce qui est logique. Et l'art, c'est pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est intuition. Et c'est le mariage des deux, en fait. La permaculture n'invente rien. Ça, c'est la révélation choc. Il n'y a rien de nouveau en permaculture. Oui, il y a du bon sens, mais il n'y a pas que la permaculture qui prône le bon sens. Et le seul endroit où la permaculture innove, c'est par le design. Et le design, c'est quoi? C'est un mot qui est difficilement traductible en français. C'est de la conception. C'est de l'aménagement, c'est de l'ergonomie, c'est de la fonctionnalité, c'est de l'harmonie, c'est de la beauté, de l'envie, c'est de l'intention. Tout ça, ça fait partie du terme de design. Enfin, l'idée, c'est pas de retourner à l'ancien, c'est de développer avec l'état des connaissances d'aujourd'hui de nouvelles manières de gérer la société, de nouvelles manières de rester dans le cadre de notre biosphère. C'est petit, c'est grand, mais c'est une petite encore. Lequel? Celui-là. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? Du blé. Donc moi, je commencerai par l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est la base, quoi. C'est un de nos besoins fondamentaux. Pour mon goûter, je mange du blé. Tu manges du blé? Oui, pour mon goûter. Hein? Et des fish sticks. À partir de l'alimentation, on peut rejoindre la fameuse fleur de la permaculture, cette fleur à 7 pétales. Et de là, on peut refaire les liens. Donc le lien avec, est-ce qu'on peut produire l'alimentation de manière naturelle ou on est obligé de mettre des produits en cides, des pesticides, des fongicides, des insecticides, des biocides. Donc cides, ça veut dire qui tue. Designer un jardin qui fait 16 mètres carrés, hein, donc il n'y a pas de problème. Ou te répond sur base de la permaculture terrain, mais on peut faire des designs sociaux, par exemple, où il n'est même pas question d'argent, il est juste question de relations entre les personnes, quoi. Voilà, donc il y a vraiment cette envie d'amener des jeunes à mettre les mains dans la terre, dans la merde, pour se sentir vivant et se sentir en lien. Planter une graine, s'occuper d'un porc, d'un cochon, s'occuper de poules, qu'ils puissent aller travailler et se rendre compte de la... C'est un peu bateau ce que j'ai envie de dire, mais de la beauté du vivant. Regarde, je suis bien d'accord que... Chacun peut trouver sa place, chacun peut s'épanouir. On a le droit de rêver. Et on a oublié qu'on avait le droit de rêver et de réaliser nos rêves.